Le greffage est une opération indispensable si l'on veut conserver certaines espèces pendant très longtemps. Mais au départ, faut-il le faire de façon esthétique, durable et dont le porte-greffe convienne au greffon? Ces melocactus greffés sur Cereus jamacarus, ceci depuis 30 ans, et dont les greffons ne sont pas du tout déformés. Il y a là un exemple d'adaptation entre le porte-greffe et le greffon. Mais l'on peut dire que l'aspect d'ensemble ne flatte pas notre regard. Ce melocactus ocujali, sa forme allongée est normale pour l'espèce. Le même greffe pour ce discocactus orzi. Celui-ci a 15 ans, peu de déformation dans le greffon. Mais l'ensemble n'est pas du tout esthétique. Il faudra arrêter de greffer des plantes à 10 cm de haut. L'on peut greffer plus bas et enterrer le porte-greffe par la suite. Mais le point de contact entre le porte-greffe et le greffon sera toujours un point très fragile qui ne pourra être enterré qu'au bout de 10 à 15 ans. L'ensemble étant un point faible. Il en sera de même pour le porte-greffe. Il faudra attendre que l'épiderme soit calcifié, ce qui peut se produire de la 5e à la 15e année. Conclusion, ce mode de greffage est aussi à rejeter. Exemple à ne pas faire. Ce greffon, un navajois, ne pèse pas plus de 10 grammes. Ce porte-greffe, Myrtillocactus géométrisain, peut atteindre près d'une tonne. Le résultat ne se fait pas attendre. Le porte-greffe n'arrête pas d'émettre des rejets. Cette suralimentation a aussi d'autres conséquences. Nous allons les voir les unes après les autres. Les plaies laissées par l'opération du greffage, qui s'était très bien calcifiée, sont ici, par cette suralimentation, en train d'éclater. Pensez à ce qui se produirait si nous avions enterré le porte-greffe. Cet éclatement et l'extraction des rejets seraient dangereuses. Ce même navajois, qui fera toujours pas plus de 10 grammes, greffé sur Trichocereus pacanus, qui lui peut atteindre près de 300 kg. Ce cochysia, qui en vieillissant formant des touffes, maximum 100 grammes. Le porte-greffe Trichocereus pacanoi, qui lui peut atteindre de 300 à 400 kg. Ces taches marrons sur le greffon sont provoquées par l'extraction de rejets pour expérience. Elles n'ont rien à voir avec les problèmes de greffage. Ce porte-greffe Eriocactus juberti, adulte 20 à 30 kg. Le greffon, un sclérocactus, 500 grammes. Nous approchons là d'un équilibre raisonnable. L'épiderme calcifié du porte-greffe pourrait nous permettre de l'enterrer. Mais voilà, il reste toujours ce point de contact entre le porte-greffe et le greffon. Ces greffages plus ou moins bien réussis resteront toujours des points faibles. Porte-greffe Eriocactus juberti, 20 à 30 kg. Le greffon, un épithélanta, pas plus de 10 grammes. Il y a quand même un déséquilibre. En plus, ces plaies sont inesthétiques. Il faudra attendre pendant longtemps que l'épiderme du porte-greffe soit calcifié avant de pouvoir l'enterrer. Toutes ces raisons et d'autres encore font que ce porte-greffe, malgré sa réputation, de pousser lentement. Ce Neulodia grandiflora, issu de semis, est âgé de 3 ans. La plante a son aspect normal. Les aiguillons cachent presque totalement l'épiderme. Elle pousse très lentement. Elle n'a jamais fleuri. La même plante, issue du même semis, mais greffée sur Trichocereus pacanus. La différence est frappante. Bien sûr, elle fleurit déjà depuis l'âge de 2 ans, et ceci en abondance.
Tous les mois, pendant la belle saison, les fleurs se succèdent. Mais l'aspect de la plante est complètement déformé. Les mamelons sont très écartés les uns des autres. Ils nous laissent apparaître son épiderme. Celui-ci a perdu son apparence verte, lisse et unie. Il se présente ponctué de taches plus claires et rugueuses. Ceci est dû à une suralimentation. Sur une crustacean, nous allons voir ce qui se passe à l'intérieur. Après avoir pratiqué une coupe sur cette plante, l'on s'aperçoit qu'il y a des taches, que l'ensemble n'est pas homogène, qu'il y a différentes couleurs, que certaines taches sont vraiment importantes. J'ai pratiqué sur cette plante une deuxième coupe très fine pour pouvoir l'observer en transparence. L'on s'aperçoit qu'il y a des taches plus claires, que les cellules constituant le corps de la plante laissent passer la lumière, ce qui prouve qu'elles ne sont pas soudées les unes aux autres, qu'elles se sont séparées, et ceci a formé des trous, qui sont moins importants à l'extérieur, bien plus nombreux et plus serrés au centre, qui est le point de végétation après le greffage. Si nous grossissons l'image, l'on voit très bien la formation de ces petits trous, qui seront très visibles lorsque la plaie de notre plante sera cicatrisée. Le porte-greffe de cette plante étant un Trichocereus lamplochlorus, le greffon Ailostera eliosa cristata. La cause de ces petits trous étant ce fameux déséquilibre entre ces greffons ne dépassant pas 10 grammes et le porte-greffe atteignant près d'une tonne. Sur ce même greffon, ne faisant qu'une dizaine de grammes, mais le porte-greffe pouvant atteindre 300 kg, les petits trous existent aussi. Ils commencent à disparaître avec des greffons de 50 grammes sur des porte-greffes de 30 kg. Mais ce n'est pas fini, notre plante n'est pas sauvée. Il y a encore quelques inconvénients. Nous allons voir un extrait du film sur Discocactus araenae spinus qui nous parle de ce problème. Je possède cette plante depuis son arrivée en Europe et je commence à bien la connaître. J'en suis à sa quatrième génération. Je perds cette plante régulièrement tous les 5 à 6 ans. Ce film va nous montrer la cause de ce désastre. Cette plante est greffée sur Eriocactus juberti, réputé porte-greffe très lent. Mais quand même, il déforme notre plante. Elle est pas assez large par rapport à sa hauteur, ce qui devrait être l'inverse. Ce porte-greffe que j'ai essayé comme tant d'autres devra être rejeté. Cette tache marron sur la plante, c'est un début de pourriture. Nous allons voir qu'est-ce que c'est qui l'a provoqué. En observant bien notre plante, entre les aiguillons, nous voyons quelques taches blanches. Ce sont des cochenilles. La toison dense de notre discocactus a tendance à nous les cacher. Et c'est là l'un des malheurs. Les discocactus ne supportent pas du tout la piqûre des cochenilles. Cela provoque la pourriture. Par contre, les cochenilles adorent les discocactus. Là, nous sommes en présence d'un nid. Boule blanche cotonneuse. Les discocactus, lorsqu'ils sont atteints par la moindre tache de pourriture, il est extrêmement difficile de les sauver. Celui-ci, l'attaque est en puissance, les cochenilles sont nombreuses et l'on s'aperçoit que c'est autour du nid de cochenilles que la plante se tache. La tache s'agrandit. Il est trop tard, notre plante va disparaître. Mais je vais faire en sorte qu'avant qu'elle disparaisse, elle nous livre la raison de cette attaque de cochenilles en puissance. Malgré les traitements,
ceci ayant toujours été préventif. La densité des aiguillons empêche les traitements d'atteindre l'épiderme. C'est là la première cause. Il y en a une autre bien plus importante. Nous allons l'observer en pratiquant une section verticale de la plante pour la partager en deux. L'opération s'avère plus difficile que je ne pensais. Nous y arriverons. Le résultat est surprenant et va nous livrer ses petits secrets. Nous observons une grosse tache de pourriture. Par ses contours rougeâtres, nous nous apercevons qu'elle est en train de progresser. Que la partie de contact entre le porte-greffe et le greffon est sain. Pas de tache sur l'ensemble du porte-greffe. Au sommet de celui-ci, à l'opposé de notre tache, une autre petite tache, prolongée par un filet noir jusqu'au sommet de la plante, en pleine naissance du céphalium. En grossissant cette tache, nous nous apercevons que c'est bel et bien un début de pourriture qui a son origine à la base, à la soudure entre le porte-greffe et le greffon. Nous observons que le greffon, en se développant, a recouvert le porte-greffe. Ceci a provoqué une cache idéale pour les cochenilles. Celles-ci, à l'abri de tout produit de contact, se sont développées, ont piqué la plante et ont provoqué la première pourriture. Ces deux images différentes, ces deux attaques qui ne sont pas au même stade, nous montrent bien que le début de processus de la pourriture a commencé à la base. Puis s'est développé pour rendre notre plante irrécupérable. La conclusion, ce système de greffage greffé à 10 cm de haut, dont le greffon enveloppe le porte-greffe, est à rejeter. Cette plante, greffée depuis plus de 60 ans, va nous résumer tout ce que nous avons vu. Ces marques grises ont été causées par un porte-greffe trop puissant qui l'a fait éclater à ses débuts de croissance. Par la suite, la plante étant une espèce de taille moyenne, l'équilibre s'est produit, le porte-greffe étant Trichocereus pacanoi, environ 300 kg, le greffon Dennosa erythrocephala, le même poids. Équilibre parfait, développement parfait. Sorensia formosa, greffée de 60 ans. Le même équilibre de poids. Le même résultat. Porte-greffe Trichocereus pacanoi. Porte-greffe Trichocereus pacanoi. 3 Sorensia.